Deux mots. Nous sommes très heureux ici à l'école de recevoir l'équipe de Tara Expédition avec Romain Troublet, qui en est le secrétaire général et qui dirige les expéditions Tara depuis sa création, et Christian Sardet, cofondateur de l'expédition Tara Océan, chercheur au CNRS et Grand Prix des sciences de la mer de l'Académie des sciences. Romain Troublet et Christian Sardet nous présenteront l'aventure de Tara depuis 10 ans, ses apports essentiels à la communauté scientifique, en écho avec le regard artistique engagé autour de l'environnement. Dans ce cadre, nous aurons également Aurore de la Morinerie et Rémi Amoir, qui seront invités, s'ils le souhaitent, à intervenir sur leur expérience sur le bateau Tara. Merci à vous pour cet échange qui s'annonce très stimulant. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci de nous accueillir ici. On est ravis à la fois d'être là ce soir, à la fois que des étudiants de l'école, grâce à Rémi, se soient lancés dans cette histoire de Tara. Et ravis de vous accueillir aussi à Anjouin, dans le nouveau local de nouvel bureau, nouvel espace Tara, au 11 boulevard Bourdon, tout sur le port de la Bastille, pour les expos qu'on va pouvoir faire de vos productions. Donc Tara, moi je vais vous parler de Tara, je vais vous parler de ce qu'on a fait depuis quelques années. Je vais parler un peu, pas beaucoup d'art, hein. Je laisserai la parole à l'artiste Christian pour vous parler un peu d'art, en tout cas de vous montrer un peu ce qu'on a pu faire sur le plancton depuis 4 ans maintenant, 5 ans, pour Tara, mais pour Christian ça fait depuis toute sa carrière, je pense qu'il travaille sur ces petites bêtes. Donc Tara, ça existe depuis 10 ans, c'est une initiative privée. C'est parti d'une idée d'Agnès B. et d'Étienne Bourgois de faire autre chose que de développer la marque Agnès B. dans le monde et de contribuer un peu à l'effort de recherche, de contribuer à la sensibilisation des populations sur les enjeux environnementaux et développement durable en général. Et ils ont décidé en 2003 de racheter un bateau qui était assez historique, qui était un bateau qui appartenait à Jean-Louis Etienne, qu'on a connu gamin quand il s'appelait Antarctica. Et c'est un bateau qui est connu en France, connu à l'étranger, parce qu'il a été détenu par un fameux navigateur qui s'appelait Sir Peter Blake, et qui est malheureusement assassiné à bord de ce bateau à Manaus, au Brésil, par des pirates en 2001. Et donc on a lancé ce bateau sur des expéditions scientifiques et artistiques aussi. On parle d'écologie, l'écologie scientifique, pas l'écologie politique. Moins l'écologie politique. L'idée est de faire de la science, bien sûr, la vraie science, la science d'excellence, mais aussi de partager et de communiquer sur ce que c'est que cette science, pourquoi elle est importante, pourquoi l'écologie en mer est importante, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Et bien sûr, c'est du long terme, ça fait déjà 10 ans, et je pense qu'il y en a encore pour 10 ans au moins. Bien sûr, c'est une structure, c'est un fonds de dotation, c'est comme une fondation, c'est à but non lucratif. C'est soutenu par quelques organisations internationales comme l'UNESCO. C'est un financement à la fois public et privé, c'est-à-dire que c'est du mécénat privé d'entreprises, de personnalités, et aussi du mécénat public, enfin du subvention publique, parce que la recherche à bord de Tara est financée en grande partie par la recherche, par l'État, qu'il soit français ou qu'il soit d'autres pays. En l'occurrence, en France, c'est le CNRS, le CEA, et les universités qui contribuent et qui participent aux missions de Tara. Et on parle de partage aussi, partager cette science. Alors comment on fait pour partager ? Il y a un programme éducatif qui donne des contenus aux professeurs, qui s'articule autour des histoires des expéditions de Tara. On fait bien sûr des films, on en a fait 10 déjà depuis le début, depuis 10 ans. Les médias sont importants, les partenaires médias, l'AFP, des gens comme ça qui n'apportent pas de fonds mais qui apportent de l'espace média pour parler des projets, parler des sujets, parler de l'environnement, parler de Tara en général. On édite aussi pas mal de journaux, des journaux gratuits qui sont comme sur la table, je crois, là-bas, distribués à votre disposition. Il y a aussi des bouquins, je crois qu'il y en a deux. Il y a celui de Christian, qui s'appelle Plancton. Et il y a celui de l'histoire de Tara Océan, qui est la dernière mission de Tara sur le plancton qu'on a menée de 2009 à 2013. 4 ans d'expédition.
On fait bien sûr le web 2.0, les artistes, on va en parler, on est là pour ça. Et bien sûr des événements, expositions que vous avez peut-être pu apercevoir chez Agnès B en décembre. Les artistes étaient tous exposés ensemble. Et aussi des forums, des conférences. Les escales de Tara sont énormément sollicitées. Le bateau est très sollicité pour à chaque fois des escales. On invite les officiels du pays, de la ville, aussi des écoles sur place, on partage ça, on va dans les facultés faire aussi des talks avec les scientifiques qui sont à bord, parler un peu de la science qu'on fait, pourquoi on l'a fait, quel est l'enjeu. Il y a quelque chose d'important avec Tara depuis 2 ans maintenant, c'est qu'on a eu la chance de rencontrer Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui est au centre de l'image, à New York. On a été reçu dans son bureau et on l'a invité à bord du bateau. Il est venu 2h30 sur le bateau, cet homme-là. Un peu bouqué quand même. Hein. Il y a beaucoup de gens sur la planète qui se la gêneraient pour le rencontrer. Il est 2h30 à bord. Il a parlé en direct avec les scientifiques qui étaient à bord, qui n'étaient pas français tous, qui étaient un peu partout. Et il a parlé de la question de l'enjeu du maritime, de la mer, de l'océan, sans émotion. Les scientifiques, vous savez, sont très factuels. Ils ne croient que ce qu'ils voient, que ce qu'ils mesurent. Et c'est important aussi parfois de parler de façon factuelle comme ça au chef d'État. En l'occurrence, à Ban Ki-moon, c'est l'équivalent d'un chef d'État, pour lui faire comprendre des choses. Et je crois que ce jour-là, en débarquant, il a dit « Je vous promets que je ferai tout ce que je peux pour les océans ». Et il l'a fait parce que c'est un de ses 4 piliers de son mandat de secrétaire général de l'ONU aujourd'hui, jusqu'en 2016. Et il a parlé à 6 reprises de ce temps à bord de Tara lors de discours aux Nations Unies. Donc ça l'a marqué. Je pense que l'émotion de ce bateau l'a marqué, les gens qui étaient là l'ont marqué. Bref, en général, ces gens-là ont toujours un filtre de tous leurs conseillers autour d'eux. Et là, il est venu en direct et il a vécu le truc lui-même. Et c'est peut-être ça la magie de Tara, s'il y a un atout en tout cas de ce projet Tara, c'est cette singularité peut-être. Alors Tara, on a... Ça, c'est pas Tara, je vous rassure. Quoique... Tara, ça fait 10 ans qu'on existe, comme je vous l'ai dit, et on a fait 2-3 grandes missions. Je n'en parlerai que 2 aujourd'hui, il me semble, si je me souviens bien. La première mission, qui était 2007-2008, le bateau s'est fait prendre dans les glaces, au nord, en Arctique, et a dérivé dans la glace pendant 500 jours. Et un seul bateau l'avait fait avant, c'était le Fram, d'un Norvégien qui s'appelait Nansen, qui avait décidé, lui, d'être le premier homme à aller au pôle Nord, et donc s'est dit, je vais mettre dans la glace au nord de Tokyo, par là, nord du Japon, nord de la Russie, et le courant marin et le vent qui porte la glace va m'emmener près du pôle, et quand on sera près du pôle, il s'était dit je marcherai vers le pôle et je serai le premier homme au pôle Nord. Bon, il a échoué, il a marché, mais il a échoué, il a fait demi-tour, il n'est pas mort, mais longue histoire, je vous recommande de lire l'histoire, elle est épique. Et Tara s'est mis dans la même glace, si je puis dire, dans la même panade aussi, 115 ans plus tard, pour recommencer cette dérive à travers l'Arctique. Et donc vous voyez l'expédition, envers c'était le Fram dont je vous ai parlé, et en bordeaux, en violet, c'est la route de Tara. Vous voyez, il fait des ronds parce que la glace de l'Arctique, tout ce qu'on voit, c'est tout ce qui est blanc là, c'est de la glace de mer qui fait 2 mètres d'épaisseur par là. Et cette glace-là, finalement, elle est poussée par le vent, comme n'importe quelle chose qui flotte sur la mer. Et donc le vent change souvent, et donc la glace change de direction, et cette glace a emmené le bateau comme ça pendant 500 jours à travers l'Arctique, à raison de 10 km par jour. Et donc le monde de Tara était statique finalement, les gens qui étaient à bord, les 10 personnes qui étaient à bord, pour eux ça bougeait pas beaucoup, mais il n'empêche qu'ils bougeaient à 10 km par jour, l'ensemble bougeait à 10 km par jour. C'est un concept assez intéressant de voyager comme ça. Et on a fait deux fois de plus de distance que le Fram, et on a mis 2 fois moins de temps. Donc on est allé 4 fois plus vite que le Fram, un siècle après lui. Donc question, et s'il y a un résultat concret, le plus fort qu'on peut dire de cette expédition Tara, au-delà de la science qu'on a fait à bord du bateau, c'est bien cette vitesse de dérive qui a complètement accéléré depuis un siècle. Alors on parle beaucoup de ça c'est un graphique, alors vous n'aimez peut-être pas les graphiques, mais alors là à gauche c'est la surface de glace dont je vous ai parlé, la banquise arctique, donc la glace de mer qui est gelée, qui flotte sur la mer. Entre juin et octobre chaque année. Et les années en fait sont là. Ça c'est la moyenne années 80,
moyenne de surface de la glace banquise, donc on est autour de 7 millions de kilomètres carrés. Et puis ici, c'est en 2007, 4 millions de kilomètres carrés, et 2012, 3 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire qu'on a la surface de glace, au minimum de glace, à la fin de l'été, ça fond beaucoup, et l'hiver, c'est plein recouvert de glace en juin. Le printemps arrive, ça chauffe tout l'été, et le maximum de chauffe et de calories absorbées par l'Arctique se trouve en septembre, et c'est là qu'on mesure le minimum de la glace. Donc on mesure ça chaque année, et on voit qu'en année 80 par rapport à 2012, on divise par 3 la surface de la banquise. C'est gigantesque, hein, on parle de millions de kilomètres carrés là. On parle souvent de la glace, souvent de la surface, mais le volume c'est pire. Hein. C'est pire, je veux dire. Ces volumes de glace, pareil en septembre, mesurés, évalués. Alors ça oscille, vous voyez bien que ça oscille, n'empêche que la tendance elle est assez éloquente. Alors pourquoi ça fond? C'est ce qu'on a essayé un peu de comprendre autour de ce projet de Tara en Arctique. Ça c'est la projection du WWF et d'Université canadienne. C'est une projection de la glace dont on parle en septembre, au mois de septembre 2040. Donc voilà ce qui resterait d'après ce qu'ils pensent. Après tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est une tendance qui est de plus en plus probable au fil des années. Et on voit bien que l'Arctique, ça c'est marrant parce que c'était pour vous c'est intéressant. Ça c'est le plateau continental, et donc là il y a 40 mètres de fond en moyenne. Et dès que vous êtes dans le bleu foncé, c'est 2000, 3000, 4000 mètres de fond. Et donc en fait vous voyez qu'au Bering il n'y a même pas 30 mètres de fond. Et donc le Gulf Stream rentre dans l'Arctique, il se part ici. L'eau chaude qu'on connaît en Bretagne, en Europe, qui fait la température qu'on a aujourd'hui en France, est chaude, elle arrive comme ça. Elle rentre dans le bassin arctique et elle ressort par le détroit de Fram ici, dans l'autre sens. Donc il y a toute une circulation d'eau chaude qui arrive dans l'Arctique et qui est très importante pour comprendre la fonte de la banquise. Et donc autour de ce projet, nous on a passé notre temps à faire des mesures, à la fois des mesures au fond de la mer, les mesures de la fine couche de glace, une petite couche de vernis finalement qui fait 1 mètre, 2 mètres d'épaisseur, et puis l'atmosphère. Et donc l'atmosphère c'est avec un ballon sonde. Et au fond de la mer, c'est avec des sondes qu'on envoie avec un câble du bateau. Et ce que vous voyez, c'est intéressant ici, c'est au mois de juillet, en été, donc, c'est le soleil tape, hein, etc. Il fait chaud. Il fait chaud, c'est relatif. Hein, mais vous voyez ici le Gulf Stream qui arrive dans l'Arctique, c'est-à-dire que l'eau est à 0, entre 1 et, 2 degrés, 1 et 4 degrés, suivant la profondeur. Là, en juillet, c'était comme ça. La glace est à moins 1,2. Vous savez, elle gèle à moins 1,8, la glace de mer. Pas à zéro, l'eau douce à zéro, mais la glace de mer à moins 1,8. Et donc on est froid, et puis à nouveau on repart vers l'atmosphère. Et là il fait très très chaud, il y a des entrées d'air chaud à 1000 mètres qui sont de 10, 12, 11 degrés. On a même eu 17 ou 18 degrés parfois. Et donc on voit bien qu'il y a des calories qui arrivent en Arctique par dessous, des calories qui arrivent en Arctique par le dessus. Forcément la couche de la banquise au milieu complètement se réduit complètement. Ça, c'est l'arrivée des calories. Il y a aussi un effet, c'est que vu d'en haut, l'été, ce qu'on voit là, c'est des piscines d'eau, en fait, qui sont sur la banquise. En dessous, il y a 4000 mètres de fond d'océan. Et entre ça et l'océan, il y a de la banquise encore. Et vous voyez, ces taches foncées, finalement, sont très importantes pour expliquer pourquoi ça s'accélère. C'est que plus ça fond, en fait, plus il y a des mares d'eau, plus c'est foncé, plus le foncé absorbe la lumière. Et absorbe les calories qui sont avec et encourage le réchauffement. Et à tel point que quand on veut se balader en Arctique l'hiver, à pied, bah, il faut mettre des waders pour aller, comme si on allait à la pêche à la crevette en Bretagne, parce qu'on a parfois de l'eau jusqu'à la taille. Et l'Arctique est très. Et aussi, comme il est très humide, il y a beaucoup, beaucoup de brouillard tout l'été, c'est permanent quasiment. Donc voilà, donc l'Arctique ils font. L'Arctique c'est à côté, c'est moins loin, c'est aussi loin que New York, le pôle Nord. C'est tout près. Et finalement, l'impact qu'on a nous dans notre société aujourd'hui, il impacte directement l'Arctique qui est à nos portes en fait. Et que ce soit par l'air, que vous avez vu par l'air, c'était chaud.
par la mer. Le Gulf Stream rentre jusque en Arctique. Donc nos activités ont des impacts assez importants là-haut. Et ce qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, c'est quelles vont être les conséquences de ça pour le climat global. Donc après cette mission en Arctique, on s'est posé la question, bon ben c'était bien. On a passé 500 jours dans la glace, et puis Eric Carsanti, un chercheur, biologiste cellulaire, rien à voir avec l'océan, rien à voir avec climato, rien à voir avec l'écologie, est venu nous voir pour savoir ce qu'on voulait faire du bateau ensuite, et il a dit, moi je vais étudier le plancton, et avec Christian Sardet et puis une bande de copains, on a envie de promouvoir un projet comme ça, et de le lancer, et d'innover. On a innové pendant 4 ans, Tara Océan, un projet de 3 ans qui finalement est devenu 4 ans, parce qu'on a fait le pôle Nord en plus, pour explorer la richesse des écosystèmes à la dérive dans la mer. On a fait une dérive arctique, là on a étudié les écosystèmes à la dérive, pour parler de science et pour faire comprendre toujours un peu ce que faisait Tara avant. Le plancton, Christian vous en parlera beaucoup, donc je serai bref. Mais c'est important parce que c'est aujourd'hui le fuel qu'on utilise sur la planète, c'est de l'énergie fossile, on dit souvent. Et fossile, pourquoi ? Parce que c'est l'énergie fossile du plancton qui s'est, tout depuis la création de la Terre, a pris le CO2 dans l'atmosphère, en a fait sa carapace, a vécu 2-3 jours et a coulé au fond des océans et a sédimenté du carbone et du carbone et du carbone. Qui, sous la fait du temps, de la température, de la tectonique des plaques, de ce que vous voulez, de la pression, se transforme en huile ou en gaz. Et aujourd'hui, on pompe ça aujourd'hui. Donc ça nous ramène un peu à l'histoire de cette planète. Bien sûr, la biodiversité, incroyable, des molécules incroyables sûrement à découvrir. Le plancton, il est à la base de la chaîne alimentaire. Hein. Tout ce que c'est fish food, comme disent les Anglais. Le plancton, il est pas, on ne le voit pas, mais il est là. Et en fait, tout l'écosystème aquatique, quasiment, se nourrit de cet écosystème planctonique. Et comme je l'ai dit, il fait du fuel. Il transforme du CO2 de l'atmosphère qu'il met au fond des océans. Bah, quand il fait ça, il respire. Et donc, il fait la photosynthèse et il crée de l'oxygène. Et donc, en échange, il prend du CO2. Et en échange, il crée de l'oxygène et on pense... Les scientifiques aujourd'hui pensent qu'à peu près la moitié de l'oxygène qu'on respire vient du plancton, la moitié vient des forêts, la chlorophylle terrestre ou la chlorophylle aquatique, marine. Alors parfois c'est riche, hein, là c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le plancton la nuit, dès qu'il y a une lumière, c'est les zooplanctons, c'est des gros organismes, hein, mais je serai bref parce qu'on m'a dit de ne pas être trop long. Et puis, Christian va vous en parler beaucoup après. Et on va essayer de comprendre un peu c'est joli, déjà. C'est la planète. Et c'est les courants marins sur lesquels on a modélisé. Le MIT a fait ça, dans le Massachusetts. Ils ont modélisé la présence d'organismes, 4 types d'organismes, des diatomées, qui ont en disant bah, ces organismes-là, ils aiment bien vivre dans telle ou telle eau, et donc on va corréler le courant marin avec ces organismes, et on va essayer de voir comment ça se répartit. Effectivement, ça marche, parce que les diatomées sont toujours des micro-algues qui vivent dans les eaux froides, donc c'est en rouge. Et vous voyez les saisons, là ça c'est l'été en Antarctique, donc l'hiver en France, c'est une floraison, c'est le printemps. Et puis le printemps revient au pôle Nord et ça redémarre dans l'autre sens, en suivant la disparition de la banquise. Et donc on a essayé de documenter ça avec Tara, on a été allé au milieu de la mer, on a fait 55 000 échantillons de plancton, de surface, de 3 profondeurs, on a mesuré une vingtaine de paramètres à chaque prélèvement, on a essayé de documenter un peu tout ça, et maintenant les laboratoires et les chercheurs dans les laboratoires travaillent d'arrache-pied pour en tirer la quintessence et comprendre un peu les phénomènes, les macro-phénomènes et aussi les micro-phénomènes de l'océanique. Alors, les artistes à bord. Depuis le début, ce projet est mené et poussé par Agnès B, qui est très sensible à l'art, et à Étienne Bourgois, qui sont aussi tous les deux sensibles
une autre façon de raconter les choses. Et on a accueilli au départ, plutôt de façon intuitive, des artistes à bord de Tara. C'était tout début de l'émission. Il n'y avait pas trop de scientifiques à l'époque. Et pas mal d'artistes. C'était un peu différent d'aujourd'hui. On a accueilli Ariane Michel, qui a fait les Arts Déco, si je ne me trompe pas, ouais, qui a fait un film Groenland, qui a été assez successful. On a eu la chance d'avoir Pierre Huyghe, qui est venu faire en Antarctique une vidéo en 2005. Il est resté 3 semaines en Antarctique avec une équipe, avec Xavier Veillant, avec Alexandre Amir, et je ne sais plus encore lesquels il y avait à côté de lui. Et il a fait une vidéo qui a été montrée à plein d'endroits, A Journey That Wasn't, qui était à moitié une vidéo faite en Antarctique et puis à Central Park avec un show, le son et lumière. C'est incroyable. Xavier Veillant, j'en ai parlé, qui était avec lui, même moment. Sébastien Salgado, c'était en 2005, c'était au tout début de son projet Genesis, qui est aujourd'hui exposé. Il était venu faire le volet antarctique de son projet Genesis. Il était venu 5 semaines à bord de Tara, en Antarctique, à bosser d'arrache-pied, avec 5 appareils photo autour du cou, et dehors toute la journée, en train de se cahier, parce que j'étais avec lui de temps en temps, je lui filais ses appareils photos, je me souviens. On s'est cahier, mais il a fait des photos absolument magnifiques de ce coin-là. Des photographes, Francis Latreille, François Bernard, Vincent Hiller, qui ont fait des photos au cours de l'émission. C'est des gens qui étaient soit envoyés à bord pour ça, soit étaient aussi envoyés à bord pour être les correspondants, journalistes, parce qu'il faut raconter ce qui se passe à bord. Et donc il y a toujours un journaliste qui raconte, qui fait des photos, qui fait des vidéos. Et Vincent Hiller, qui fait ces photos-là en noir et blanc, est un de ces journalistes qui est venu à bord de Tara. Et Liga, une artiste américaine, qui a fait des photos et aussi qui fait aussi des lectures, qui a passé 6 mois en Arctique, dans la nuit polaire. Il y a aussi des illustrations, je ne sais pas comment on dit, mais Benjamin Flao, qui fait des carnets de voyage. Aurore Damorinerie, qui est dans la salle ce soir, que je ne vois pas, mais qui veut pas qu'on la voit, voilà, elle est au fond. Si vous avez des questions à leur poser, ils sont bien sûr remis, ils sont bien disposés à vous montrer ce qu'ils ont fait déjà et à répondre à vos questions, je pense. Et aussi des scientifiques comme Christian Sardet, Cédric Guigan, Mathias Ormestad, qui font de la science et qui aussi font de la photo. Tellement leur sujet de recherche est esthétique. Ils se sont fait une cœur joie de photographier ces organismes microscopiques. Je passe la parole à Christian, qui va vous montrer un peu ce qu'il a fait avec le plancton, en vidéo, je crois, et en photo. Il y a les deux. Merci beaucoup, et j'espère que j'étais assez bref, pas trop long. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre à la suite. Merci. Bonjour. Peut-être on peut baisser la lumière. J'ai pas la même. Merci. Donc, je vais vous parler essentiellement du plancton. Et de l'expédition Tara Océan en particulier, également de l'institution dans laquelle j'ai travaillé, l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer, qui est un endroit connu dans le monde entier pour la richesse du plancton. La baie de Villefranche est un réceptacle naturel du plancton. Alors quand on parle de plancton, effectivement, c'est l'écosystème le plus diversifié de la planète. Pratiquement tous les types d'organismes sont dans le plancton, sauf les plantes terrestres. Et par exemple, les oursins sont dans le plancton, ça vous semble peut-être pas naturel, mais en fait, toute leur vie embryonnaire est passée dans le plancton, les crabes, tous les organismes, les poissons,
lorsqu'ils sont jeunes, dérivent dans les courants avec les organismes comme les méduses ou de tout petits organismes qu'on voit ici en bas de cette mandala du plancton. Et c'est ce que j'ai essayé de décrire dans un livre qui vient de sortir aux éditions Ulmer qui s'appelle « Plancton aux origines du vivant ». Parce qu'en fait, la vie, tous les débuts de la vie, 3,5 milliards d'années sur la planète, sont planctoniques. Au début, il n'y avait vraiment que du plancton. Et ceci jusqu'à à peu près 500 millions d'années, lorsque les terres ont commencé à être colonisées. Donc en fait, 3 milliards d'années de vie au début sont planctoniques. Et comme Romain l'a dit très bien, tout l'oxygène sur la planète est apparu au début à partir du plancton photosynthétique, ce qu'on appelle le phytoplancton. Alors évidemment, c'était impossible de représenter en taille réelle les organismes les plus petits et les plus grands. Disons que il faudrait encore augmenter d'un facteur peut-être de 100 les plus grands là-haut, les méduses qui vous sont les plus familières, qui font aussi partie du plancton, parce que le mot plancton, ça vient de planktos, c'est un mot grec qui veut dire dérivé. En fait, ce sont tous les organismes qui dérivent avec les courants, qui ne sont pas capables de sortir et de rentrer dans les courants, comme le font les poissons ou les céphalopodes, par exemple. Donc, planktos, c'est un mot qui a donné son nom au plancton. Évidemment, on peut comprendre ça pour les tout petits organismes. Ils bougent à l'intérieur des courants, les méduses aussi, mais ils ne sont pas capables de s'extraire des courants. Alors, certains d'entre vous ont peut-être consulté, comme il y a un projet plancton en ce moment et à l'école, et demain nous ferons un atelier plancton à l'école normale, tout à côté. Vous avez peut-être consulté un site que nous avons mis en ligne dans le cadre de l'expédition Tara Océan, d'ailleurs, où il y a une vingtaine de films qui vous montrent ces organismes en action. Ce sont des petites histoires, je vais en montrer deux ou trois tout à l'heure. Et vous avez également sur ce site de nombreuses photos, vous pouvez les downloader. Donc, elles sont accessibles et vous pouvez les utiliser librement. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la baie de Villefranche est connue depuis les années 1880, même avant, 1850. En fait, c'est l'endroit où on a les premiers dessins, vraiment, les premières descriptions des animaux dits inférieurs de la Méditerranée. Dans les années 1800-1850. Et puis, les biologistes ont commencé à explorer les côtes, particulièrement après le travail de Darwin. Et donc, une station marine s'est créée à Villefranche-sur-Mer en 1882. Et depuis ce temps-là, évidemment, la station de marine de Villefranche, qui compte environ 200 personnes maintenant, étudie le plancton, est un des meilleurs endroits pour étudier le plancton parce qu'il y a un canyon qui est à l'embouchure de la baie de Villefranche, qui fait déjà 300-400 mètres à l'embouchure de la baie et qui sert à amener le plancton dans la baie. Et il est, particulièrement à cette époque du printemps, il est prisonnier de la baie et on peut collecter très proche d'un laboratoire tout un tas de planctons différents. Vous en avez quelques exemples en dessous. Comme je l'ai dit, ces dessins datent des années 1800-1850. Les premières représentations de ces animaux gélatineux qui ont étonné beaucoup de biologistes, qui ont eu beaucoup de mal d'ailleurs à les mettre sur l'arbre de vie, à partir du moment où Darwin avait commencé à jeter les bases de l'évolution. J'ai été aidé dans cette tâche par deux jeunes hommes, mon fils Noé et son associé à Montréal, qui sont d'excellents photographes et vidéastes. Et donc, ensemble, nous avons
documenter le plancton, ce qui était ma tâche principale dans le cadre de l'expédition Tara-Océan. Ce n'était pas vraiment mon domaine scientifique qui concerne plus les embryons et les cellules, comme Eric a senti, mais au cours de mon travail, j'avais quand même exploré pas mal d'organismes planctoniques et l'expédition m'a donné l'occasion de vraiment faire ça sérieusement. Peut-être on peut diminuer un petit peu les lumières au plafond, là, qui m'éblouissent. Vous pouvez descendre le... Non. Bon. Alors, je vais vous montrer un petit film, le dernier qu'on ait fait dans la série, qui s'appelle Le plancton de la Côte d'Azur, et qui résume assez bien ce que je viens de vous dire. Vous pouvez baisser les lumières ? La mer Méditerranée est d'un bleu intense, un bleu azur, un reflet des grands fonds près des côtes. Au large, le courant ligure charrie du plancton. Ce plancton est la multitude des organismes qui dérivent avec les courants, depuis les bactéries et algues microscopiques jusqu'aux siphonophores, les plus longs animaux du monde. Entre ces deux extrêmes, dérive tout un monde d'organismes planctoniques, des gélatineux, des invertébrés aux formes et aux mœurs étranges, ainsi que d'innombrables embryons et larves. Parfois, lorsque nutriments, température et lumière sont au rendez-vous, ces planctons prolifèrent en bloom spectaculaire. Depuis deux siècles, Perron et Le Sueur, puis Vogt, Barrois, Foll, Korotnev et leurs descendants à la station marine de Villefranche-sur-Mer étudient et dessinent ces êtres planctoniques qui abondent dans la baie ou près des côtes niçoises. On les appelle méduses voilettes, ressemblant à des voiliers miniatures, les vélèles sont en fait des colonies de multiples individus. Chaque année, à la fin du printemps, ces planctons de surface, cousines des méduses, prolifèrent et échouent sur la côte, décorant nos plages de franges bleues. Les méduses, justement. Elles hantent souvent nos côtes en de larges troupeaux. Il y a celles dont les tentacules sont armés de cellules urticantes, celles qui piquent, et qui sont tant redoutées des baigneurs, les Pelagia noctiluca. Il existe aussi d'innombrables méduses microscopiques, ignorées des baigneurs. Certaines, telles ces fragiles Clitia hemisferica, sont cultivées pour la recherche à l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer. Découvrez Cymbulia peoni, alias sabot de Vénus. Il arrive de trouver sur la plage sa pseudo-coquille cartilagineuse en forme de sabot. Cymbulia est membre des mollusques planctoniques appelé ptéropodes, qui abondent en hiver et au printemps. Adaptés au milieu pélagique, ils ont transformé leurs pieds en nageoires. Et lorsque les élégantes et transparentes cestus veneris, alias ceinture de Vénus, sont au rendez-vous, c'est l'été qui s'annonce. Enfin, vous pensiez peut-être que les oursins n'avaient rien à voir avec le plancton. Détrompez-vous.
Comme la plupart des animaux qui vivent sur les fonds marins, les oursins passent leur vie d'embryon et de larves dans le plancton. Ce sont des proies faciles, source de nourriture pour d'autres organismes du plancton, un maillon essentiel de la chaîne alimentaire de la mer Méditerranée. Les rares survivants perpétueront les espèces qui, à leur tour, deviendront plancton. En fait, une des grandes idées de l'expédition Tarasean, c'était vraiment de renouer avec des expéditions long cours autour du monde, une tradition qui avait été quasiment perdue. Il y a beaucoup de flottes océanographiques dans le monde, y compris en France, mais elles vont sur site pendant un mois, deux mois maximum pour satisfaire une communauté scientifique très large. Et on ne peut pas mobiliser ces bateaux pour faire ce qu'avait fait le Challenger en 1872. Et c'est à bord du Challenger qu'il y a un artiste qui s'appelle Ekel, qui est un grand scientifique également, qui a fait des représentations assez extraordinaires du plancton, que vous avez peut-être vu. Il y a de nombreux livres avec des illustrations de Ekel. En voici par exemple, avec de la photographie moderne, telle que nous pouvons la faire maintenant, et puis la représentation de Ekel de Lithoptera, qui est un magnifique radiolaire qui fait à peu près une cinquantaine de microns, qu'on peut juste apercevoir comme un petit point avec l'œil. Peut-être vous en verrez demain, puisqu'on a un atelier, j'ai ramené du plancton de Villefranche, peut-être il y aura quelques Lithoptera. Voici encore une planche de Ekel. Il avait fait une description qui est encore la référence. C'est très rare au niveau scientifique de s'appuyer sur des travaux qui datent de plus d'un siècle. Mais ces descriptions étaient tellement fouillées, minutieuses, exactes, qu'elles sont encore utilisées. Et puis, il a même connu la gloire en son temps, puisque l'exposition universelle avait la porte de l'exposition universelle à Paris était en fait tirée d'une architecture d'un de ces radiolaires nacellaires. Je ne vais pas passer trop de temps sur cette partie-là, mais il y a relativement peu de représentation du plancton, illustration artistique. J'aime beaucoup cet artiste qui s'appelle Lilona Richter, qui a fait plusieurs volumes de magnifiques ouvrages qui s'appellent La faune de Naples, qui en fait décrit le plancton dans la baie de Naples. Alors évidemment, on dispose de nos jours de techniques photographiques. J'ai pris deux exemples ici qui permettent soit de faire de la tomographie, c'est-à-dire ce qu'on fait sur les corps au niveau pathologique, mais on le fait au niveau microscopique aussi. Donc on fait des sections et puis ensuite on reconstitue, comme l'a fait un de mes collègues allemands, une petite crevette, un copépode. Et puis on peut évidemment aller assez dans le détail. À droite, nous avons par exemple photographié une pince d'un crustacé qui s'appelle phronyme, et on voit ici les cellules pigmentées qui donnent sa couleur à la phronyme, qui peut changer du rouge à l'incolore simplement en contractant ces cellules que vous voyez ici étalées. Ce qui est intéressant aussi avec la photographie, la vidéo bien sûr, mais aussi la photographie, c'est qu'ici, par exemple, j'ai représenté, c'est une des planches du livre, j'ai représenté le développement d'une méduse. On voit là-haut des œufs, et puis environ 12 heures après, on a cette espèce de petite ogive qui est constituée de milliers de cellules déjà, puis petit à petit, la transformation en une méduse pélagia qui commence à faire pousser ses filaments urticants. On voit là un petit peu la même chose à droite, où ces petites méduses de laboratoire, clitia,
qu'on a en élevage à Villefranche et qui est le premier modèle expérimental pour les biologistes pour étudier la biologie des méduses, et où on retrouve beaucoup de gènes qui sont nos propres gènes, bien sûr, des ancêtres de nos propres gènes, puisque les méduses sont les... On considère que ce sont les plus anciens animaux du monde, environ 800 millions d'années. Et puis aussi, vous pouvez évidemment, par la photographie ou la vidéo, capturer des actions. Ici, par exemple, des photographies que j'ai prises au Japon, j'ai observé pendant... Le processus a duré environ 2 heures, des méduses qui ont ce très longue bouche au bout d'un pédoncule, attraper un petit poisson, une petite larve de poisson, et puis carrément le faire l'englober avec leur bouche, et puis sucer tous les sucs et rejeter le moignon. Ça a duré environ 2 heures. Donc en fait, les méduses sont capables de manger, par exemple, des petits poissons. Et évidemment, on peut se demander si la prolifération des méduses, qui est un phénomène actuellement redouté, ne diminuera pas considérablement les stocks de poissons. Alors j'ai eu le privilège, je dois dire, de faire plusieurs étapes. Nous, les scientifiques, nous relayons sur les différentes étapes environ tous les 3 semaines, 1 mois. Et donc les points rouges ici sont les différents endroits. Ce qui est très intéressant quand on fait ça, c'est qu'évidemment, le plancton varie énormément dans ces différents endroits. Ça ne veut pas du tout les mêmes espèces. Ça peut être les mêmes types d'organismes. Par exemple, ces petites crevettes dont j'ai parlé, les copépodes, bien sûr, il y en a partout, mais ce ne seront pas les mêmes espèces. Elles vont changer radicalement d'un endroit à un autre, et elles vont changer également avec les saisons. Puis j'ai fait 2 étapes aussi dans l'expédition qui a fait le tour du pôle plus récemment. Et pour vous donner un exemple, par exemple, on collecte évidemment ces organismes avec tout un tas d'engins, et en particulier des filets de différentes mailles. Il y avait à bord du Tara, on avait installé un petit laboratoire qui nous permettait de faire une imagerie de qualité. Et voici par exemple, plus au nord, près du détroit de Bering, la biodiversité était relativement faible. On s'attendait à ça, bien sûr. C'est connu que dans ces eaux froides, la biodiversité est relativement faible. Les quantités sont extraordinairement... le nombre d'organismes est extrêmement abondant. Et la chaîne alimentaire était relativement simple, puisque des diatomées, qui sont des êtres unicellulaires, vous en verrez certainement dans l'atelier demain, étaient mangés par des copépodes, ces petites crevettes qui font partie du krill que mangent les baleines. Et puis les grands prédateurs dans cet écosystème étaient des cténaires, qui sont des organismes qui ressemblent aux méduses, bien que ce soit quand même assez différent des méduses. Et également des mollusques qui sont très beaux, qu'on appelle des anges de mer, que vous voyez en haut à droite. Voilà tout l'écosystème dans cette région. Et deux mois plus tard, dans une région beaucoup plus au sud, en fait près du Groenland, voilà, l'écosystème était constitué d'autres diatomées avec d'autres formes radicalement différentes. Ces formes avec tout un tas de soies, et puis des formes rondes, ce sont comme des petits piluliers qui font une dizaine de microns, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, et les organismes qui se régalaient de ces organismes phytoplanctoniques, trois types principaux de petites crevettes copépodes. Donc à chaque fois qu'on voyage quelque part, on peut collecter du plancton et trouver un écosystème tout à fait différent. Et évidemment, le but de l'expédition Tara Océan, c'est de comprendre les règles de cet écosystème. Pour l'instant, on ne peut que le décrire, on ne le comprend pas vraiment. On a fait suffisamment de prélèvements pour commencer à comprendre les règles de cet écosystème. On pense évidemment que c'est lié aux paramètres physico-chimiques, la température, la salinité,
tout un tas de les nutriments, l'oxygène, tout un tas de paramètres ont été enregistrés en même temps qu'on collectait tout ce qui vivait dans la colonne d'eau. Et je pense qu'on on va pouvoir avancer sur ces questions. En fait, la mer n'est pas homogène et c'est une représentation de cette inhomogénéité. Vous voyez que dans la mer, il y a des tourbillons, il y a des courants, il y a des remontées et on s'est situé pour faire ces prélèvements évidemment dans des zones particulièrement intéressantes pour essayer de comprendre ce qui se passe. Par exemple, certains de tourbillons peuvent avoir plusieurs mois ou même plusieurs années d'âge et emprisonnent un volume d'eau. Certains traversent même l'océan Atlantique. Vous allez voir, à un moment, on arrive en... Quand on arrive près de l'Afrique du Sud, ici, il y a des tourbillons qui se forment. On en a suivi un pendant une courte distance en Afrique du Sud. Donc, il faut prendre en compte toute cette inhomogénéité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces masses d'eau ne se mélangent pas vraiment si facilement que ça. Je vais passer parce que... Romain vous a parlé de ces modélisations. C'est comme ce que vous voyez lorsqu'on vous dit, vous prédit le temps. On fait rentrer dans ces genres de simulations tout un tas de paramètres pour pouvoir prédire qu'est-ce qui va se trouver là et à quel moment. Alors évidemment, il y a des organismes minuscules que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Il faut un microscope électronique pour les voir. Voici des bactéries, par exemple. Et ces bactéries, très souvent, sont infectées par des phages qu'on a représentés, qu'on a colorisés en rose. Phages qui sont en fait des virus. On s'est aperçu depuis une dizaine d'années qu'il y a énormément de virus différents dans la mer qui servent à la recirculation de la matière. Très important pour maintenir le vivant dans un état dynamique. Il y a énormément d'organismes unicellulaires dans la mer. En voici quelques exemples et je pense que vous en verrez demain pour ceux qui suivront l'atelier. On a des radiolaires qui sont des organismes tout à fait étonnants. Certains sont assez gros et peuvent être vus à l'œil nu. Vous en verrez à l'œil nu demain. Il y a des diatomées qui ont toujours ces formes un peu géométriques parce qu'ils sont constitués de squelettes. Ils ont des squelettes de silice qui leur donnent cet aspect très géométrique. Il y a des larves, ici par exemple une petite larve d'oursin. Il y a des méduses microscopiques. Beaucoup de méduses sont des méduses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qui sont des méduses microscopiques. Évidemment, beaucoup de petits crustacés aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense que vous verrez peut-être ce type de plancton demain. Je n'ai pas eu le temps de regarder les échantillons. Je les ai collectés ce matin et ils sont dans un endroit... à l'école normale. J'espère qu'ils tiendront la nuit parce que le plancton est très fragile. Il faut vraiment le regarder très rapidement après l'avoir collecté. Alors, je vais vous montrer un petit film sur les protistes. Peut-être on peut diminuer la lumière de nouveau. Les protistes, ça veut dire être unicellulaire. Alors, ça peut être un être... Ce sont les êtres unicellulaires avec des noyaux. Vous savez que toutes nos cellules sont constituées ont des noyaux. Et dans la mer, il y a toutes ces cellules individuelles avec des noyaux. Le noyau, c'est la partie sombre que vous voyez ici. Les protistes sont des êtres unicellulaires. Une seule cellule, donc. Mais avec un noyau, comme nos propres cellules. Apparus il y a un milliard d'années, les protistes sont les ancêtres des animaux et des plantes. Ces myriades d'étoiles aux couleurs et aux formes irréelles, ce sont les protistes. Ils répondent au doux nom d'acanthères, d'inoflagellés, ou diatomée.
Il y en a des millions d'espèces, visibles à l'œil nu pour certaines, et pour la plupart, à travers un microscope. Les protistes se sont construits toutes sortes de coquilles à l'extérieur de leurs cellules, en silice, en calcium, en strontium ou en cellulose. Coincés entre les gros organismes et les bactéries, les protistes sont les grands oubliés du vivant. On soupçonne à peine la richesse de leur forme et de leurs facultés. Alors, une des grandes contributions du Tara, c'est en fait de l'expédition Tara Océan et Tara Polar Circles, c'est que quand on collecte ces organismes, et particulièrement ces organismes unicellulaires, et qu'on applique sur ces échantillons les méthodes génétiques qui sont maintenant devenues monnaie courante pour tout ce qui est pathologie, on s'aperçoit qu'il y a une diversité génétique extraordinaire. Et d'après nos premières estimations, on va amener une quantité considérable de nouveaux gènes dans les bases de données actuelles qui existent, ce qui n'est pas très étonnant parce que ce monde des protistes a été peu exploré par ces méthodologies et ça montre qu'il y a beaucoup d'espèces qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup de voies métaboliques qui sont nouvelles certainement, beaucoup de choses à découvrir et ça c'est une richesse inestimable. Évidemment, je peux passer aux animaux les plus grands qui sont les siphonophores, qui sont des animaux en général peu connus, sont des cousins des méduses dans le sens où ils ont des filaments urticants. Mais ils ont une biologie tout à fait particulière. Ils sont constitués de différentes colonies. Ils ont une colonie d'estomac, et une colonie de bouche, une colonie de cloches natatoires qui leur permettent de se sustenter. Et ils peuvent littéralement tendre des filets, par exemple manger des petits poissons, comme vous le voyez ici en haut à droite. C'est des petits poissons qui sont en train d'être digérés dans des estomacs. Ces animaux sont des animaux coloniaux assez fabuleux. Et de nouveau, je vais vous montrer un petit film pour vous faire partager leur complexité. Les baleines sont les plus gros animaux au monde. Mais les plus longs sont sans aucun doute les siphonophores. Certains, tels la physalie, sont aussi parmi les plus venimeux. Ces organismes planctoniques sont les cousins des méduses, anémones et coraux. Comme eux, ils font partie de la famille des cnidaires. À l'instar des coraux, les siphonophores sont coloniaux. Si les colonies de coraux sont composées d'unités identiques, les siphonophores sont un ensemble d'unités spécialisées appelées zoïdes qui possèdent tous le même génome et proviennent du même embryon. Reliés par un stolon, sorte de cordon ombilical, les unités zoïdes et leurs organes ont pour fonction de nourrir, reproduire et déplacer la colonie. Les unités nourricières, les gastrozoïdes, déploient de longs tentacules couverts de cellules urticantes. Elles ramènent leur proie vers les bouches et estomacs, nourrissant toute la colonie via le stolon. Au bout du stolon, des unités de flotteurs pulsatiles, les nectophores, propulsent la colonie en quête de nourriture. Pour attraper crevettes et poissons, les siphonophores déploient une multitude de tentacules urticantes
en de parfaits filets. Colonies bourgeonnent constamment de nouvelles unités. De nouvelles colonies apparaissent également de façon sexuée. Les gonozoïdes mâles et femelles expulsent des paquets d'œufs et de spermatozoïdes. De façon étonnante, les œufs émettent une molécule attirant les spermatozoïdes de la bonne espèce autour du site de fécondation. L'œuf fécondé devient un embryon qui bourgeonne rapidement ses premiers oïdes. Alors, je vais terminer par les embryons et les larves qui sont en fait dans le plancton, qu'on ait affaire à un oursin, un petit poisson, un poisson... un crabe, une moule, une huître, elle passe de une semaine, un mois, quelques mois dans le plancton, toute leur vie juvénile. La plupart servent de nourriture pour les autres animaux du plancton, mais il y en a toujours suffisamment qui survivent pour pouvoir s'accrocher sur le fond, métamorphoser très souvent, parfois jusqu'à une douzaine de fois, et donner un adulte qui va perpétuer le cycle. Et pour partager un petit peu cette partie, je vais vous montrer un petit film qui ne fait pas partie des chroniques du plancton, mais qu'on a fait pour un site américain qui s'appelle TED. Et qui raconte l'histoire de cette vie juvénile-là. Ça va bloquer. Excusez-moi, je vais aller le chercher où il est. I must look rather strange to you, all covered in spines, without even a face. But I've taken many forms during my life. I started out just like you, a tiny egg in a watery world. My parents never knew each other. One moonlit night before a storm, thousands of urchins, clams, and corals release trillions of sperm and eggs into the open sea. My father's sperm somehow met my mother's egg, and they fused. Fertilization. Instantly, I became an embryo the size of a speck of dust. After a few hours of drifting, I cleaved in two, then four, then eight cells, then so many I lost count.
In less than a day, I developed a gut and a skeleton. I became a rocket ship, a Pluteus larva. I floated through the world of plankton, searching for tiny algae to eat. For weeks, I was surrounded by all kinds of organisms, larvae of all sorts. Most are so different from their adult form that biologists have a tough time figuring out who they are. Try matching these youngsters to their parents. This veliger larvae will turn into a snail. This zoe into a crab, and this planula into a clidia jelly. Some of my young companions are easier to picture as grown-ups. These baby jellies, known as ephyrae, already resemble their beautiful but deadly parents. Here in the plankton, there's more than one way to get your genes into the next generation. Most medusa jellies make special structures called polyps that simply bud off babies with no need for sex. Salps are similar. When food is abundant, they just clone themselves into long chains. The plankton is full of surprises when it comes to sex. Meet the hermaphrodites. These comb jellies and arrow worms produce, store, and release both sperm and eggs. They can fertilize themselves or another. When you're floating in a vast sea with little control over who you may meet, it can pay to play both sides of the field. The majority of species here, however, never mate nor form any sort of lasting bonds. That was my parents' strategy. There were so many of us Pluteus larvae, I just hid in the crowd while most of my kin were devoured. Not all parents leave the survival of their offspring to chance. Some have far fewer young and take much better care of them, brooding their precious cargo for days, even months. This speedy copepod totes her beautifully packaged eggs for days. This Phronema crustacean carries her babies on her chest, then carefully places them in a gelatinous barrel. But the black-eyed squid takes the prize. She cradles her eggs in long arms for 9 months. The same time it takes to gestate a human infant. Eventually, all youngsters have to make it on their own in this drifting world. Some will spend their whole lives in the plankton, but others, like me, move on. A few weeks after I was conceived, I decided to settle down and metamorphosed into a recognizable urchin. So now you know a bit of my story. I may just be a slow-moving ball of spines, but don't let my calm adult exterior fool you. I was a rocket ship. I was a wild child. Je suppose qu'il y a des questions. Peut-être Rémi, tu veux dire un mot quand même. Moi, je peux parler de mon expérience. Ouais. Oui, alors moi, je peux, en dehors de ce qui est spécifiquement les planctons, je peux vous parler de ce que j'ai fait donc, à bord du bateau. Moi je suis venu à bord pendant une semaine pendant la mission Tara Océan entre Dubrovnik et Athènes
pour faire ce que je sais faire, c'est-à-dire des peintures. On m'a pas demandé particulièrement de travailler ou sur la représentation des micro-organismes ou sur ou faire un carnet de voyage ou voilà ce que d'autres font savent faire. Et donc voilà, on était d'accord là-dessus pour faire cette tentative. Moi, je ne savais pas trop ce que ça donnerait parce que travailler sur, sur un bateau comme ça en mer, ce n'est pas forcément évident. Surtout que moi, je travaille la peinture à l'aquarelle, c'est plutôt des grands formats. C'est de la peinture qui est faite sur le vif, c'est des impressions qui sont notées comme ça. Et donc voilà, heureusement, la météo a été très, très clémente. Heureusement, l'équipe était très bien et voilà, donc j'ai pu travailler, produire un certain nombre de choses plus ou moins heureuses sur la durée du parcours, mais qui, je pense, donnent voilà des témoignages qui voilà mon apport personnel au voyage quoi. Et je pense que chaque artiste avec chaque artiste, il y a vraiment quelque chose de très hétéroclite, je crois, autour de Tara. Et justement, c'est tous ces regards, toute cette réunion de personnalités qui anime aussi un peu l'esprit. Merci. Ben nous, c'est vrai qu'on peut se poser la question, comment on choisit les artistes ? On est assez ouvert. Non, franchement, il n'y avait pas vraiment de stratégie. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à peu de temps encore. Les scientifiques sont des artistes déjà. Dans l'histoire, les scientifiques étaient souvent des artistes aussi. Et donc, on était jusqu'à maintenant très ouverts à savoir, vous voulez venir à bord, faire quoi ? Faire ce que vous avez, vous sentirez faire. Il n'y avait pas de cahier des charges, il n'y avait pas de vous devez faire ça. Vous devez... C'était assez ouvert. Je crois que Rémi l'a dit comme, à sa façon. C'est aussi notre façon à nous de faire parler d'autres talents et d'autres sensibilités de ces projets, de ce que font les scientifiques à bord, de ce que fait Tara en général. Et puis Tara, il n'y a pas non plus un ego. Hein, ce bateau est ouvert à plein de gens et c'est à chacun d'entre eux de porter ce projet, de l'amener plus loin, vers leur public, vers leur sensibilité, vers, etc. Peut-être que, Aurore, tu peux aussi peut-être dire un mot sur ton temps que tu as passé aux Galapagos. Elle n'a pas choisi le pire des destinations, Aurore ? Aurore de la morinerie ? Ouais, je vais essayer de dire deux, trois mots, mais j'ai beaucoup de mal, mais ça ne fait rien. J'étais en même temps que Christian entre les Galapagos et l'Équateur. Et je n'ai pas du tout dessiné à bord, parce que mal de mer, un petit peu. Mais en rentrant chez moi, j'ai pu utiliser ma presse de gravure et faire des monotypes. Et en fait, c'est une richesse. C'est comme un... Comment expliquer ? C'est inimaginable le nombre de formes d'animaux possibles et de formes à explorer. Voilà. Sinon, j'avais apporté, tu sais, ce grand truc, mais... Ah, je sais pas, on va le mettre. Je peux vous le montrer après, si vous voulez. C'est un rouleau où j'ai imprimé sur papier Japon chez Franck Bordas les monotypes que j'ai faits pour pouvoir l'exposer chez un ISB. Voilà. Mais en un mot, pour finir, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir aller là-bas. Voilà. Et je remercie. Tu devrais le déployer. Ouais, oui. Et voilà, ça c'était jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on s'est un peu structuré parce qu'on a vraiment envie de renforcer un peu cet aspect artistique de Tara. Et on a comité de sélection. Aurore a quand même fait pas mal de croquis à bord. Hein. Ouais. Et aussi, elle nous a appris à dessiner. Hein. Il y avait des séances de... il y avait un atelier de dessin permanent. Thank you.
Ça n'a pas été fait à bord, ça a été fait après. Alors, qui va participer à l'atelier demain? On va se retrouver à 9h devant l'école normale. Hein. Alors, je ne sais pas trop, hein, j'ai rapidement trié ce matin dans le plancton et puis j'ai pris aussi du mélange. Vous regarderez. C'est petit, hein, alors j'ai amené de quoi regarder, mais là, ce sera peut-être un petit peu difficile pour vous. Mais enfin, si c'est trop difficile, vous regardez les chroniques du plancton, vous aurez un choix assez grand. Mais vous verrez les mêmes organismes, mais vraiment en 3D, vivants. Voilà. Est-ce que tout sera mort demain matin? Tu les as mis où cette nuit? Je les ai mis frigo. Disons à 18 degrés, quoi, la température de la mer actuellement à Villefranche, en espérant qu'on aura quand même des survivants. Ça dépend des organismes. Il y a des organismes assez costauds qui peuvent durer un jour, deux jours, et puis d'autres au bout de une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est vraiment très fragile, le plancton. C'est là qu'on se rend compte de la... En même temps, vous avez les organismes les plus costauds du monde, les méduses, ont survécu à 5 grandes périodes d'extinction. On en connaît 5, mais il y en a peut-être un peu plus. Au cours des 800 millions d'années qui se sont écoulées, les dernières 800 millions d'années, il y a eu 5 grandes extinctions. Et les méduses ont toujours survécu. C'est pour ça que ce sont les plus anciens animaux du monde. C'est que, bien que d'apparence fragile, elles sont extrêmement résistantes. C'est fou parce que tout meurt en une heure ou deux, parfois. Et ça montre un peu l'alchimie de la mer. C'est-à-dire que dans la mer, en fait, il y a une espèce d'une alchimie incroyable pour que tous ces services soient rendus au... Bien sûr, parce qu'ils ont la nourriture dont ils ont besoin, ils ont l'espace, hein, surtout. Probablement, il faut qu'ils nagent pour se maintenir en vie. Incroyable. Qu'ils ont les virus à côté qu'il leur faut. Enfin, on peut imaginer. Alors, il y a peut-être des questions sur ce qu'on a fait. J'avais juste une question sur la rotation. Enfin, j'étais pas là au début, je suis désolée, je suis arrivée un peu tard. Sur la rotation des missions, en fait. Donc vous travaillez sur votre projet depuis combien de temps? Vous travaillez sur votre projet depuis combien de temps? Ça peut paraître bizarre, mais l'expédition Tara Océan s'est montée en un an. Et ce qui fait qu'on n'était pas vraiment prêt. Et les premiers 6 mois en Méditerranée, les premiers 3 mois en Méditerranée, ont servi vraiment de mise au point, ce qui était très bien d'ailleurs, parce que je ne pense pas que ça soit possible de faire une mise au point sur papier et crayon, comme ça, avec papier et crayon. Donc ça s'est monté vraiment. En plus, on était très juste au niveau de l'argent. Mais ça s'est monté dans l'enthousiasme très rapidement. On a trouvé les gens qui voulaient participer en un laps de temps, je dirais un an à peu près. Hein. En ce qui me concerne, j'avais jamais vraiment... Évidemment, je suis dans une station marine qui étudie le plancton, mais j'avais jamais vraiment fait l'effort de connaître le plancton. J'avais simplement exploré certains organismes du plancton pour des problèmes biologiques. Par exemple, il y en a un, dans un des films, je parle chez les siphonophores. C'est le meilleur exemple qu'on ait d'un point de vue de biologiste d'attraction des spermatozoïdes. On peut toujours se poser la question, est-ce que l'œuf attire les spermatozoïdes? Dans la plupart des espèces, c'est très cryptique, c'est pas clair. Par contre, chez les siphonophores, c'est extrêmement clair. Donc si on veut étudier ce processus, et on a isolé les molécules, etc., voilà un bon modèle expérimental. Donc j'avais fait un peu ce genre de travail, mais je ne connaissais pas vraiment beaucoup d'organismes du plancton. En fait, il est venu à 7 reprises même, Christian. C'est un des rares à venir 7 fois sur le bateau, hein, je vous le dis. Il est venu à 7 reprises, et à chaque fois, il est venu entre une semaine et 2 semaines. Voilà. Et la mission Tara Océan, en gros, elle a duré 4 ans, parce qu'on a fait
2 ans et demi autour du monde, et puis un an de plus, 7 mois de plus au pôle Nord. Et Christian est venu à chaque fois. C'est un peu ça. En tout, peut-être, je pense que 200 scientifiques se sont relayés au cours des 4 années et continuent à travailler dans des laboratoires, évidemment. Et plus la moitié, c'est des étudiants. Enfin, c'était des postdocs. Oui, beaucoup d'étudiants, évidemment, beaucoup d'étudiants et qui font beaucoup de travail expérimental. Et il dit pas, il dit rien, mais il avait pas fait de photo ni de vidéo en 2009, quoi. Il s'est mis à la photo vidéo pour ces images que vous avez vues. T'avais pas fait grand chose de vidéo avant. T'as tout appris sur le tas. J'ai fait beaucoup de vidéos sur les cellules et les embryons, mais pas vraiment sur les organismes. On a eu énormément de chance parce que au moment où on a su qu'on allait faire l'expédition, sont apparues ces caméras digitales qui font aussi de la HD. Non, c'était le Canon 5D qu'on a utilisé pour tout. Et je pense que sans ce genre de choses, ça aurait été vraiment un casse-tête. Parce qu'un boîtier comme ça, qui est quand même relativement peu cher pour comparer à ce qui permet de faire des images de qualité auparavant, et qui a dans une certaine mesure révolutionné la prise de vue, mis à la portée de bourses modestes de bons moyens de filmer et de prendre des photos de qualité. Venait juste d'apparaître, donc ça permettait de mettre le boîtier soit sur une loupe, soit sur un microscope, soit dans un caisson pour filmer sous l'eau. Donc ça a été vraiment déterminant. C'est une avancée technique dont on a bénéficié. Moi je me demandais juste, quand vous dites que les siphonophores sont les plus longs animaux du monde, donc c'est-à-dire que ça se compte en mètres la longueur d'un... Enfin c'est vraiment les plus longs ou c'est par rapport à... Les plus longs font une cinquantaine, soixantaine de mètres. D'accord, ok. Et donc, c'est pas possible de les collecter vraiment en entier, parce que dès qu'on les collecte, ils se cassent. Quand un filet, par exemple, on peut pas les collecter avec des filets, ils se cassent en petits morceaux, des morceaux qui régénèrent d'ailleurs. Bonjour. Donc moi, je m'appelle Denis Perrus et j'enseigne dans cette école. Je suis très content de que vous soyez ici. Je voudrais vous dire que je trouve que le projet que vous menez avec Tara est un très très beau projet que je suis depuis longtemps et dont je trouve que l'idée qui à un moment donné mêle la communauté scientifique à des artistes est une très très belle idée qui ne date pas d'aujourd'hui mais qui s'était beaucoup essoufflée et que vous réactivez. Je trouve que c'est vraiment une très très belle idée. Le hasard fait que je suis allé en Antarctique et j'ai passé 90 jours là-bas et j'ai croisé, pas en Antarctique directement, mais à Ushuaïa, Tara. Je dis ça simplement parce que je parle en ayant été ébloui, comme tout le monde, par la beauté de l'Antarctique, par le spectacle inouï que représente ce territoire resté très très vierge, très protégé. Et j'en parle parce que je suis allé sur votre site et j'ai consulté le travail qui avait été fait par les artistes que vous avez invités à bord. Et je veux vous dire que je suis resté extrêmement perplexe par le travail qui a été réalisé par ces artistes. Et j'ai pensé à ce moment-là que vous aviez dans cette salle des gens qui avaient sans doute beaucoup, beaucoup plus de choses à dire et dont la sensibilité était moins abîmée par la notoriété, mais peut-être beaucoup plus juste et beaucoup plus belle. Et donc je prends la parole pour vous dire qu'il y a sans doute ici des jeunes gens qui seraient ravis de partir avec vous et qui auront à la fois les moyens et des choses magnifiques à dire. Voilà, je voulais dire ça. Merci de la remarque. Effectivement, au début, on est allé, on n'était pas connus, donc sont venus vers nous les gens
qui ont remarqué ce projet et qui ont dit mais tiens, mais ça, c'est intéressant, pourquoi pas. Certains ont, pour rien vous cacher, certains ont amené des fonds pour le faire, clairement, que ce soit Salgado ou que ce soit Pierre Huyghe. D'autres non, d'autres ont. Mais c'était, on était vraiment pas, on était tout petit, on n'était pas connu qu'aujourd'hui. Voilà, maintenant on a décidé de renforcer un peu cet aspect artistique parce que sur Tara Océan on avait tellement de travail sur le plancton, pour pêcher du plancton autour du monde, on avait tellement de travail que j'avais pas de place à bord. C'est qu'il y avait 7 scientifiques obligatoires, que c'était rébarbatif, c'est toujours la même chose autour du monde, toujours se relayer pour faire le même protocole. Et du coup, on avait manqué de place, et donc maintenant, on a décidé, à partir de cette année, de donner plus de temps, plus de place aux artistes. Et donc, c'est possible d'avoir toujours une place réservée à des résidences d'artistes. Et donc, cet été, on va recevoir une dizaine d'artistes, si je ne me trompe, qui passeront tous entre 2 semaines et 3 semaines à bord. Alors, on finance, nous, les voyages et l'accueil à bord du bateau, bien sûr. Ils n'ont pas apporté d'argent, eux, pour le coup. Mais on s'est doté d'un comité de sélection pour essayer d'être plus organisé, et aussi essayer d'avoir plein d'arts différents et pas que de la photo, que de... Voilà. Agnès, elle me dit souvent, il y a trop de photos, là, il y a trop de photographes, il faut autre chose, des sculpteurs, des écrivains, de ce que vous voulez. Donc, mais merci de la remarque. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas, Tara... Bien sûr, pourquoi pas, ouais. Vous savez, faut postuler chez Tara, il faut postuler, et en général, on a une bonne chance de venir, quoi. C'est vrai ce que je vous dis. Hein. Des gens qui postulent pendant 2 ans et demi, comme Noélie qui est dans la salle, elle est partie. Noélie, elle a postulé pendant 3 ans pour venir être journaliste à bord de Tara, et ben là, elle part demain pendant 2 mois à bord. Donc, on n'a pas d'idées reçues, on est vraiment ouvert à... très ouvert à plein de choses, quoi. On aime bien se faire surprendre, en fait, par les gens. Donc, pas beaucoup de place, mais quand le CV tombe bien au bon moment, parce qu'on n'est pas assez organisé pour gérer les CV dans le temps et puis repiécher des gens qui nous ont contactés 2 mois avant, quand il tombe bien dans le temps, en général, ça passe. Il faut tenir la mer, oui, je voulais le dire, mais Tara roule. Il y a eu quand même beaucoup de malades à bord. Et évidemment, de travailler dans ces conditions, ce n'est pas toujours facile. Bien que peut-être après, ça peut susciter des œuvres intéressantes sur l'expérience elle-même. On a emmené 2 artistes récemment, Transatlantique, Québec, Paris, Québec, Lorient. Et les deux étaient malades non-stop pendant 15 jours. Mais il y en a qui a fait des photos assez intéressantes de tous les détails du bateau. Il n'est pas sorti du bateau, il est resté à l'intérieur. Et il a photographié que des détails de Tara. Et c'est intéressant, et quand on connaît l'histoire, on se dit, ah oui, c'est parce que... Et puis le rapport au temps, le rapport à la planète, parce que d'un seul coup, on se rend compte que la planète, c'est énorme, l'océan, quoi. Quand on met 15 jours pour traverser l'Atlantique. Rien que ça, c'est des notions qu'on n'a pas conscience dans le monde d'aujourd'hui, quand on vit dans Paris, quand on vit connecté, mais il n'y a pas Facebook en mer, quoi. Ouais. Souvent, il y avait un artiste qui était très connecté Facebook, et lui, il comprenait pas trop ce qui lui arrivait, quoi. En fait, Tara organise des missions, des expéditions. Celle de cet été va durer 7 mois. En 2015 jusqu'à 2017, elle va durer 2 fois 8 mois. Et donc, on a des expéditions, on a un planning et un sujet aussi de recherche sur lequel on va travailler. Et on lance maintenant des appels à projets qui ne sont pas vraiment cadrés, Marc, si je ne me trompe. On ne sait pas encore. Si ça cadre un peu avec le sujet de l'expé, c'est bien. Maintenant, c'est pas forcément. La prochaine mission, elle commence dans 2 semaines, à peu près le 27 mai. Et elle va s'intéresser au plastique en Méditerranée, microplastique. Et donc, on va faire des.
Christian va venir à bord d'ailleurs, encore Christian, mais il n'est pas dans le quota des artistes, hein, il est en plus. Christian va venir à bord et en fait on va essayer de faire des images de ce plancton qui se fixe au plastique. Et en fait il y en a plein. Et aujourd'hui la question qu'on se pose des scientifiques, c'est ces microplastiques qui sont entre 50 microns et 3-4 mm dans la mer, deviennent des supports, des substrats sur lesquels se fixent des microalgues, comme si c'était un rocher en fait. Et ces microalgues, elles sont broutées, elles sont mangées par des prédateurs. Et la question est de savoir si c'est ce qui mange le plastique avec ou pas. Est-ce qu'il y a des molécules qui diffusent dans les organismes? Est-ce que ça rentre dans la chaîne alimentaire? Est-ce qu'il y a des planctons qui digèrent mieux le plastique que ce qu'on connaît aujourd'hui? Possible. Peut-être des enzymes dans la mer qui digèrent beaucoup plus le polyéthylène que ce qu'on connaît. Donc toutes ces questions qu'on va essayer de traiter cet été, pendant 7 mois, de mai à décembre, en Méditerranée. Et donc on va aussi, ça c'est la science qu'on fait à bord, et on va aussi faire 18 escales, tout le pourtour méditerranéen, pour parler de ces questions du plastique, pour parler de culture vis-à-vis de ce plastique, d'éducation au tri, pas jeter le plastique dans la nature mais dans la poubelle, d'encourager les villes à s'équiper d'assainissement, d'encourager un truc très concret, hein, comment faire pour que demain il y en ait moins dans la mer, et le peu qu'on y mette soit du plastique biodégradable, vraiment. Et aujourd'hui c'est pas du tout le cas. Certains sur des dégradations, certains sur juste le comptage et sur essayer de comprendre l'abondance. Certains scientifiques ont travaillé sur les phtalates, c'est des molécules qui émanent du plastique et qui sont des perturbateurs de la reproduction. Il y a plein de projets différents, et souvent autour du plastique. Ouais. Et de rapport de la vie au plastique. Et comment ce plastique, qui finalement est un plancton, parce qu'il dérive comme le plancton. Non seulement ça, mais c'est un sous-produit du plancton. C'est un sous-produit du plancton. C'est un sous-produit du pétrole qui vient du plancton. La boucle est bouclée. Hein. C'est l'économie circulaire, planétaire. Ah, ça, c'est bouclé, ouais. Et. Oh, elle est motivée. La prochaine, elle commencera, je pense, on est en train de définir les contours à partir du mois de juin au juillet 2015. Elle durera 8 mois pour aller jusqu'au Japon et étudier les récifs coralliens. Et elle recommencera à nouveau 8 mois, pareil, mais en Indonésie, donc à Nouvelle-Zélande, au Japon à nouveau. Et on va étudier les récifs coralliens, comprendre, essayer d'apporter une pierre à la science à travers le Pacifique, comme ça, avec un bateau qui est mobilisé pendant longtemps sur les mêmes sujets, avec les mêmes chercheurs, les mêmes approches. Pour répondre à cette question du corail, du devenir du corail avec la température qui augmente, l'acidité des océans qui augmente, comme vous avez peut-être lu quelque part. Est-ce que ce corail va se développer, moins bien se développer? Quel est son devenir? Et le corail, c'est important, hein, c'est un animal déjà, c'est le seul animal qu'on voit de l'espace. Et le corail, il est à la fois des barrières de protection des pays qui l'entourent, un formidable, enfin en termes de PIB, c'est pour les îles États du Pacifique, c'est gigantesque. Là, c'est 40% de leur PIB vient du corail, de leur barrière de corail. Et voilà. Est-ce que ce corail va se développer aussi vite que la montée des eaux? Est-ce que toutes ces questions-là, que de demain, comprendre ce qui va se passer, anticiper? Alors, j'en profite pour dire aussi que, juste avant que je vienne, le directeur de la station marine de Villefranche, Gabi Gorski, qui était une personne importante dans l'expédition Tara, m'a dit, mais il faudrait que tu annonces que j'aimerais refaire des vitraux à la station marine de Villefranche-sur-Mer et que je suis prête à examiner les propositions qui me sont faites. Donc, si vous pouvez nous contacter si vous allez sur les chroniques du plancton, vous trouverez mon adresse et je ferai te suivre à Gabi et je l'aiderai peut-être à sélectionner des projets intéressants. Donc, parce qu'en fait, il y a une grande galerie à la station. C'est un endroit qui oui, c'est une ancienne galère qui date des années 1770. Et puis il y a des alcôves à droite et à gauche, et notamment sur la partie droite, il y a des espèces de c'est des voûtes, des arches, non? Oui, des arches. Ouais. Mm-hmm. Et là, il va remettre des vitraux, donc ça fait 3-4 mètres de haut, 3 mètres de haut. Mm-hmm. Et derrière, il y a la lumière passe à travers. Derrière, il y a d'autres laboratoires, en fait. Mais c'est ça qui ce que j'ai compris. Il m'a expliqué ça avant-hier, quand je suis passé. Oui, voilà. Et il y en a 3 ou 4, je crois, de vitraux en question.
Il m'a dit, tu connais pas les artistes? J'ai dit, bah, si, on pourra en parler. Alors, on en a parlé. Bravo. En plus, cette station, c'est génial. Hein, c'est... C'était le projet Damoclès, en fait. Vous étiez plutôt dans la position où vous répondiez à un appel d'offres. Non, ce n'était pas une structure de ce type. Damoclès... L'idée venait d'ailleurs et vous présentiez vos possibilités en offrant le bateau, etc. Damoclès, c'est plus le cas maintenant. Damoclès, c'est un concours de circonstances, plus qu'un appel d'offres, parce qu'on n'a pas répondu, nous. En fait, les scientifiques ont répondu à l'appel d'offres de la Commission européenne. La question était la suivante. Prédire et prévoir des événements climatiques majeurs. Proposer des projets de recherche qui pourraient aider à la compréhension et à la prédiction. Et donc, les chercheurs européens de 50 labos européens, ils ont proposé un projet à travers l'Arctique, en Arctique, et c'était pile poil le lancement de l'année polaire internationale, qui a lieu tous les 50 ans. Et il se trouvait que c'était l'année polaire internationale, que ce bateau Tara était fait pour faire cette dérive arctique, qu'il a faite, qu'il n'a jamais faite avant. Que le coordinateur du projet était un Français, qui était un ami, Jean-Claude Gascard à l'époque, on connaissait bien, et que voilà, et qu'ils avaient besoin de, on leur a proposé de mettre une Tara dans la glace et de devenir la seule base habitée du tout le projet Damoclès de 2 ans en Arctique. Donc on n'a pas vraiment répondu à l'appel d'offres de la Commission. On a proposé ce bateau Tara parce qu'on voulait faire cette dérive, on l'aurait pas faite s'il n'y avait pas eu de science en fait. Et on s'est dit bah là il y a de la science. On va pouvoir, si on met le bateau dedans, ça a un vrai sens, ça n'a pas un sens que de la communication, c'est un sens de... C'est quand, les projets de Tara, ce qui reste, c'est l'éducation et aussi la science. La communication passe assez vite, finalement. Mais c'est vrai que maintenant, avec Tara Océan, on a créé un réseau de chercheurs, effectivement, sur le plancton, mais ce n'est pas le même que sur le corail. Donc il faut à chaque fois recréer un nouveau réseau de chercheurs, ce qu'on est en train de faire maintenant, en fait, depuis quelques mois. Sur le plastique, on a créé ce réseau de chercheurs avec Gabi Gorski, qui est directeur de Villefranche. Vous connaissez bien, oui. Mais c'est vrai qu'on est, oui, on est plus crédible, en fait, parce qu'on a fait on a du passé. Ce qu'on a fait avec Tara Océan, c'est, ça va être bientôt être publié dans la presse internationale spécialisée. Et je pense que cette crédibilité nous permet de faire, comme vous dites, de déclencher des projets qu'on a envie de déclencher, quoi. Mais ça reste les scientifiques qui dessinent les projets, parce que ce n'est pas des projets avec de la science comme alibi, c'est vraiment... là, par exemple, pour la mission 2015 de Corail, on discute avec des scientifiques depuis 6 mois, on a déterminé les 2-3 scientifiques qui allaient être les leaders de ce projet, ceux qui étaient les plus intéressés, en fait, hein, plus motivés, plus intéressés, plus... Et ils sont en train de construire, l'équipe autour d'eux, et la question qu'ils vont traiter, et comment ils vont la traiter, et quel récif. Et une fois qu'on a défini ça, on crée l'histoire Tara autour, les artistes, la communication, les films, la mission Tara. On branche là-dessus le plaidoyer à l'ONU et aux différentes grandes hémicycles aujourd'hui. Et voilà. Mais la base de tout, c'est vraiment maintenant, c'est la science. Ouais. Donc on est en binôme avec des chercheurs et Tara. Et Tara Océan, c'était vraiment ça. Ce que disait Christian, c'est que c'était vraiment un truc qui s'est fait, une alchimie, quoi. C'est-à-dire qu'on a rencontré Eric, qui nous a parlé de Christian, qui a présenté Eric à des océanographes, biologistes, virologues. Et entre eux, ils ont dit que c'est vraiment intéressant, tous motivés. Et pendant un an et demi, on a tous porté le projet à bout de bras, avant de trouver les fonds. Et on est parti, on n'avait pas les fonds, bien sûr. On avait 30% des fonds. Et au fur et à mesure, on a réussi à monter ce projet, le tenir en marche. Et voilà. Mais je suis d'accord que la notoriété de Tara, ça aide maintenant à construire des projets, à orienter un peu ce qu'on veut faire. Quoi. Alors qu'avant, on était vraiment, évidemment. Par contre, est-ce que vous risquez encore de partir en Arctique? Parce que moi, je me souviens, j'ai participé à la construction du bateau Antarctica. Ouais, ben je votre 90, tête me disait quelque chose quand je vous ai vu en arriver. En tant que sponsor. Et le bateau était fait, c'est l'histoire, on raconte, la forme de la coque, l'aluminium, pour ne pas se faire prendre dans les glaces comme les anciens bateaux en bois. Par contre, dans les films qui ont été faits sur la partie arctique, une chose auquel, je ne sais pas si quelqu'un y avait pensé au départ, mais j'ai découvert ça, c'est qu'en fait, en Antarctique, la banquise n'est pas très épaisse, ça fait une couche fine, et avec le vent,
ça part un peu comme la machine à couper le jambon. Mm-hmm. Et en fait, le bateau, à un moment donné, je crois dans l'histoire, est pris dans la glace, mais vous avez une couche, une pellicule de glace d'un ou deux mètres qui, poussée par le vent, arrive et va couper le bateau en deux. Alors, est-ce que... ça, je ne sais pas si on risque de l'avoir en Antarctique, je ne pense pas, mais en Arctique, oui, on risque de l'avoir. Alors, est-ce qu'il y aurait encore des volontaires pour aller en Arctique à se faire couper comme le jambon? Bon, à couper, le bateau est solide quand même. Hein. Mais il a déjà fait 500 jours dans la glace en Arctique. Ouais, mais et effectivement, il a disparu, le bateau, sous la neige, ouais. Enseveli par le blizzard, quoi, qui dépose de la neige partout. Donc, un des gros boulots à bord, c'est de pelleter. La pelle. Si vous voulez faire un truc sur la pelle artistique, vous pouvez venir avec nous. On a de quoi faire. Non, je déplaisante. On va le refaire, ouais. On va y retourner. On l'a déjà fait une fois. Pour voir si ce n'est pas un coup de chance. on va mettre le bateau dans la glace, normalement, 10 ans après la première, 2017, par là, pour une deuxième dérive. Parce qu'en fait, c'est l'Arctique, on y va que l'été. Les brise-glaces qu'on a aujourd'hui. La science se fait souvent que l'été. L'hiver, c'est des robots, c'est des balises automatiques. Et il n'y a rien qui remplace la présence de l'homme pour faire des mesures, pour interpréter. Et quand on a dit ça à la communauté scientifique, justement, Damoclès, il y a 2-3 mois, qu'on a envisagé de revenir mettre le bateau dans la glace en 2017, tout le monde était excité. Quoi. Parce que ça fait depuis 10 ans qu'ils essayent et ils ne trouvent pas d'autres bateaux capables de le faire, ou alors trop cher. Parce que leur seul bateau qu'ils ont, c'est des bateaux qui font 150 mètres, qui coûtent 30 000 $ par jour, et 500 jours, c'est pas pensable. Quoi. Ça, c'était vraiment une réussite, ce bateau. Ah oui, ce bateau, bravo. Hein. Vous étiez dans quelle entreprise? Alcatel. Alcatel. Mais bon, on avait suivi la construction à Gennevilliers, parce qu'il était fabriqué en Île-de-France. Ah, il est parisien, ce bateau. Ouais. Il est parisien, hein, c'est incroyable. Il était construit à Gennevilliers, à Villeneuve-la-Garenne. Donc c'est juste près de Paris, quoi. Petite usine de fabrication de bateaux un peu militaire sur les bords, mais, ah ouais. Mais bon. toute la coque a été formée des plaques d'alu de 30 mm à la masse, à la presse et à la masse pour faire l'arrondi, pour faire. On serait plus capable de le faire aujourd'hui, en tout cas en France, incapable de faire ça aujourd'hui. Bah déjà, je crois que ça avait été dur à l'époque. Hein. Oui, c'était trop dur. Grand pour les Beneteau qui faisaient des bateaux plastiques, trop petit pour les chantiers de l'Atlantique. Ah oui. Donc, voilà. Mais d'autres questions? C'est rien, mais vous avez une équipe de skippers permanents ou ça tourne aussi? Ça tourne parce qu'on passe pas notre vie. Enfin, tout le monde a une vie à côté de Tara quand même. Non, mais on a en général, il reste 2 ans, 2-3 ans. Et il passe, sur 2-3 ans, il reste 8 mois par an à bord. En gros, en fait, il y a 2 contrats ad vitam, CDI, et le reste, c'est des contrats à durée déterminée. Mais en gros, l'effectif de Tara qui vient, qui revient, il y en a une dizaine, et il y en a 2 par an nouveaux, et 2 qui partent, 2 qui arrivent chaque année. En gros, c'est à peu près ça. Mais ouais, plus de 3 mois, 4 mois à bord, c'est fatigant. Donc il faut prendre un peu l'air. Que le rythme est assez soutenu. Quoi. Donc, quand on arrive au port, quand on est en mer, on fait plein de trucs. Quand on arrive au port, on croit aller boire une bière au pub. Et ben avant, il faut faire. Il y a plein de visites, il y a plein de les écoles qui débarquent. Il y a 200 gamins par jour. Il y a des conférences le soir. On essaie de partager, de mettre ça en avant et de mettre la recherche, les gens qui sont à bord en avant. Quoi. Voilà. Voilà. Encore des questions? Pas de problème. Christian, peut-être. Merci beaucoup de votre attention. Et merci à Marc, Héloïse et à vous pour avoir organisé ça ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Christian, merci Romain et Aurore et d'avoir présenté tout ce travail, et Rémi. Et juste pour les étudiants qui seront là demain à l'école normale, on se donne rendez-vous plutôt en face des Arts Déco, à l'entrée des Arts Déco, et ensuite on ira à l'école normale, hein, pour rectifier tout à l'heure, ça sera plus simple. Juste à l'entrée ou dans le hall à l'entrée.